Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée, on est le 5 septembre, donc évidemment qui dit rentrée dit reprise des bonnes habitudes, c'est pour ça que me revoilà, on va reprendre les vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto sur le vacuum. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on le pratique? Quels sont les bienfaits? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Donc si tu regardes la vidéo, lâche ton petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Kesako, le vacuum. Le vacuum, c'est un exercice de respiration profonde qui va te permettre d'activer et de renforcer tes abdominaux transversaux. C'est-à-dire en fait ton transverse, donc l'abdominal le plus profond de ton corps. Vous pouvez faire l'exercice allongé, à quatre pattes, debout, assis. C'est vraiment comme vous le désirez et surtout, choisissez la posture qui vous correspond le mieux. Vous avez le plus de ressenti et de bénéfices. Donc pour ça, il va falloir tester toutes les positions pendant une semaine, je dirais chaque position, et voir à la fin du mois quelle position vous préférez le plus. La méthode de travail est très simple. Vous mettez dans la position dans laquelle vous désirez, et ensuite, vous allez inspirer par le nez en gonflant le plus possible votre ventre et en pensant un petit peu plus à la partie basse jusqu'à inspiration totale. Et ensuite, vous allez expirer par la bouche, en rentrant considérablement votre ventre et encore une fois un petit peu plus la partie basse, tout en essayant de contracter vos abdominaux. Le but va être de rapprocher le plus possible votre nombril de votre colonne vertébrale. Personnellement, quand je réalise l'exercice, j'essaye de me faire, entre guillemets, disparaître. C'est impossible, vous avez compris l'idée, mais le but c'est vraiment d'être le plus fin possible, d'être le plus minuscule possible pour que l'exercice se passe dans les meilleures conditions et soit ultra optimal. Évidemment, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez pouvoir rester longtemps dans la contraction, l'exercice sera bénéfique, car là, si vous commencez dès aujourd'hui le vacuum, vous allez voir que vous allez tenir 10, 20, 30 secondes, allez 40 maximum, et vous allez vous dire, mais comment je peux obtenir un ventre plat avec autant peu de contractions et aussi peu de temps de travail? Mais sachez que si vous tenez l'exercice dans le temps et que vous l'instaurez dans vos routines matinales, routines abdominales, les bienfaits et les effets vont venir très naturellement. Mais pour ça, il va falloir de la rigueur, de la patience et de la persévérance. Franchement, qui l'aurait cru aujourd'hui que seulement rentrer son ventre aurait pu nous obtenir un ventre plat? C'est quand même plutôt cool. Évidemment, il n'y aura pas que ça à mettre en place pour avoir un ventre plat avec des abdominaux. Il va falloir mener une hygiène de vie assez optimale et faire au minimum 3 heures de sport dans la semaine. Mais ça, je ne vous apprends rien. Dernier petit tips par rapport au vacuum. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le réalisent de cette manière, mais j'ai remarqué que sur moi, ça rajoutait un avantage de dingue et mes ressentis étaient beaucoup plus forts. Pendant que je réalise donc mon inspiration et après mon expiration, je vais rester comme ça, grosso modo, 1 minute, 1 minute 30. Et après, pour peaufiner l'exercice, je vais pincer mon nez et inspirer à nouveau. Et là, vous allez voir là sur la vidéo, directement mes côtes s'élèvent, mon diaphragme aussi, et mon ventre rentre encore plus. On a l'impression que je suis très squelettique, alors que c'est juste la respiration qui produit cet effet-là. Et les ressentis en sont mais tellement plus impressionnants. Après, forcément, on a beaucoup moins d'oxygène dans le corps, donc on peut tenir beaucoup moins longtemps avec cette méthode-là. Mais l'idée, c'est d'alterner le vacuum classique et parfois de rajouter à la fin de votre vacuum quand vous n'avez plus beaucoup, ou alors sur la deuxième série ou la troisième, de rajouter cette pincée de nez avec une respiration encore plus forte dans l'inspiration. Il me semble que j'ai fait le tour, vous savez tout sur le vacuum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, le petit abonnement, la petite cloche, ça fait toujours méga trop plaisir. Donc maintenant, je compte sur toi pour mettre cette routine en place. Tu n'as aucune excuse, le vacuum, tu peux le faire partout, que ce soit à la salle de sport, dans ton lit, dans les bouchons, dans l'ascenseur, au travail, en course. Et je pourrais t'en citer encore bien d'autres, mais je vais m'arrêter là. Salut la compagnie!